Et au niveau de l'arrière, l'idée va être d'aller chercher une déconnexion. Donc, ça va être beaucoup plus court au niveau de la jonction entre le haut et le bas pour aller créer vraiment une déconnexion et garder beaucoup, beaucoup de douceur. Comme je vous dis, tout ça va être travaillé indépendamment. Donc, moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je demande à mes clientes de se pencher un peu vers l'avant. Puis là, je vais vous la rappeler que vous la voyez bien pour qu'elle reste le centre de l'attention et non moi. Donc, on va retrouver 5 sections à l'arrière. Et vous allez voir, je vais vous donner vraiment différentes options que vous pouvez faire avec ces 5 sections-là. Donc, je vais juste bien les séparer pour pouvoir vous les montrer. Donc, on va retrouver nos 5 sections. Donc, une centrale, si je vous la remonte, il y en a une centrale et il y en a deux chaque côté. L'idée, lorsqu'on fait ça, est d'aller déterminer la longueur qu'on veut notre guide. Donc, je vais toujours diriger mes doigts vers le sommet de ma tête. Et on ne se gêne pas pour faire pencher les cheveux de la cliente. J'espère que tout le monde voit bien ce que je fais. Donc, l'idée étant de garder, comme je disais, là, beaucoup de longueur, on veut aller alléger au niveau de la nuque. On veut aller enlever toute cette lourdeur-là, mais on veut garder un effet un petit peu shaggy, très effilé, texturé là, au niveau du périmètre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner mes doigts environ à 1 pouce et demi, 2 pouces de ma section centrale. Et je vais couper en soulevant mon épaule. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mon bras bouge. Donc, c'est le mouvement de mon épaule qui va venir créer l'espèce de forme de C à l'intérieur. Donc, tout ce qu'on avait qui ne bougeait pas au niveau du périmètre de sa coupe de cheveux, tout ce qui faisait qu'il y avait énormément de lourdeur au niveau du périmètre va vraiment maintenant être en mouvement pour aller chercher un look un petit peu plus tendance là, cette année où ce qu'on voit énormément là, de texture revenir. Et ça, moi, je suis pas déçue là, qu'on s'en aille un petit peu là, du très plein de longueur, très carré. C'est joli, c'est bien pour ceux qui le portent. Mais on a notre clientèle, comme j'explique, qui ont les cheveux frisés, la clientèle qui va avoir très épais de cheveux, qui va avoir besoin d'avoir un look beaucoup plus, plus aéré pour avoir le cheveu qui va boucler, qui va avoir du mouvement là, qu'on va pouvoir faire. Donc, toujours mon bras qui est en mouvement continu. Donc, c'est vraiment un guide visuel. Donc, je ramène absolument rien. Chaque section est travaillée de façon indépendante. Et on arrive au niveau de l'oreille. Et comme je vous disais tout à l'heure, je veux quelque chose qui va avoir de la texture. Donc, on pourrait, dans le cas où on aurait voulu garder une solidité, s'assurer de ne pas venir toucher, de ne pas créer d'ouverture au niveau de l'épaule, on pourrait laisser une pièce tomber.
Moi, dans ce cas-ci, je veux vraiment travailler avec des ouvertures. Je veux vraiment travailler avec de la texture dans le cheveu de ma modèle aujourd'hui. Donc, je vais vraiment prendre toute la pièce au complet. Encore une fois, toujours 1,5 pouce, 2 pouces de mon cuir chevelu. Et là, c'est libre à vous. Hein. Ross, qu'on a un nouveau tagline qui dit Rule by pro, broken by artist. Donc, les règles sont faites par les pros, mais sont brisées par les artistes. Donc, vous pouvez prendre exactement le même canevas de coupe de cheveux que je fais présentement et aller le travailler avec des sections différentes. Positionner aussi vos mains différemment. Aller couper, exemple, de façon plus courte, plus longue. On pourrait, là, quelqu'un qui a les cheveux très, très longs, faire la même chose, mais partir de plus loin puis d'aller garder vraiment un maximum de longueur. Donc, on voit vraiment déjà comment que ça va donner un look qui va être beaucoup plus en mouvement. Donc, on fait les 5 sections arrière. Et vous allez voir que sur le devant, on va aller chercher l'ouverture. Donc, on veut s'en aller du plein de longueur, de la solidité du contour du visage. On veut aller créer vraiment de la texture, de la déconnexion au niveau de la coupe de cheveux. En même temps, ce que ça va me permettre, c'est que ça va venir nous... ça va venir mettre en valeur les effets de couleur qui avaient été faits parce qu'il restait énormément de longueur qui cachait cet effet de couleur-là. Et il y a beaucoup, beaucoup de clientes qui vont nous demander un peu ces effets-là de couleur-là qui vont être le contour du visage encadrant, donner des points de lumière. Et souvent, sont cachés par toute la lourdeur de cheveux qu'ils ont sur le dessus. Donc, c'est une petite technique de coupe qui est rapide, qui est simple, qui est efficace, mais qui va donner vraiment le maximum de wow, le wow facteur là, que ça nous prend souvent là, pour aller créer notre look. Donc, toujours mes doigts, j'y vais visuellement. Comme vous voyez, là, je coupe vis-à-vis ma section. Donc, jamais je vais surdiriger d'un côté ou l'autre. Là. On se situe vraiment très droit au niveau de notre séparation. Et c'est important aussi d'avoir une bonne tension. Donc là, je vais essayer de vous montrer mon épaule. Là. Je vais la tasser pour que vous voyez que lorsque je coupe, mon épaule est continuellement en mouvement. Et c'est le fait que mon épaule soit en mouvement qui va venir créer cette espèce de forme de C-là pour aller chercher un cheveu qui va s'en aller en allongeant. Donc, je tiens, je positionne et tout de suite, quand je commence à couper, regardez, mon bras soulève. Et là, je suis pris dans la tête de ma mère, je sors un petit peu. Je vais me positionner. Donc, mon bras soulève et on y va pour aller créer vraiment la déconnexion, l'effet très shaggy au niveau du contour du visage, d'aller chercher, là, garder toute la longueur. Les clients le demandent, on le voit de plus en plus revenir là, cet effet-là, un peu années 80, 70-80, là, où ce que c'était très, très en texture, très en mouvement. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué mon ciseau que je travaille. Les ciseaux chez Rosk ont tous le pouce rotatif. Donc, qu'est-ce que ça fait le pouce rotatif? C'est que lorsque je serai sur le dessus, on voit qu'il y a énormément de tension au niveau du poignet. Mais de travailler avec mon pouce rotatif, c'est que je me retrouve avec une position qui est beaucoup plus confortable. Donc, on s'assure d'avoir une position de travail qui est un petit peu moins cirque du soleil. Juste pour être sûr là, d'avoir une bonne intégration. Donc, l'arrière est fait. Au niveau de l'avant de l'oreille, on voit que c'est lourd, ça tombe plat, on veut du mouvement. Donc, on va vraiment reséparer la section du dessus de l'oreille à la section de l'avant. Donc, on retrouve notre guide visuel qui est ici. J'ai pas besoin de le prendre, j'y vais seulement qu'au coup d'œil. Et c'est cette pièce-là qui va venir créer l'ouverture. Encore là! Vous ne voulez pas avoir d'ouverture, vous voulez garder plus de solidité, on pourrait seulement que venir faire une jonction avec le ciseau de texture tout à l'heure que vous allez voir. Du moment où ce qu'on veut aller créer un peu comme l'effet que moi je recherche, donc d'avoir énormément de texture, d'ouverture, je positionne mes doigts et tout de suite je commence à
à couper, aller chercher ma forme de C. Donc, on garde quand même la longueur, mais on vient chercher un look qui va être beaucoup plus effilé. Donc, énormément d'ouverture et d'aération au niveau de la coupe de cheveux. Donc, encore là, on voit là, que c'était toute pleine longueur. Il y avait un peu d'effilé au niveau de la pointe, mais c'est lourd, ça alourdit son look. On veut aller chercher de l'ouverture. On y va. Encore là. Et là, souvent, mes clients vont dire « Oh mon Dieu, Julie, quand tu coupes mes cheveux, j'ai l'impression que tu en enlèves beaucoup. Es-tu certaine qu'il va m'en rester? » Moi, souvent, ce que je vais leur dire, là, c'est pas ce qui tombe par terre. Ce qui est important, c'est ce qui va vous rester sur la tête. Alors, on se retrouve qu'on a de l'effilé. Donc, si on voit déjà là, le côté qui était très lourd, le côté qui est plus effilé, puis vous allez voir tout à l'heure quand tout le dessus va retomber, comment que ça va être en douceur. L'important, c'est que vos pointes de doigts pointent toujours au niveau du sommet de la tête. Donc, j'avais mes 5 sections arrière. Là, j'ai fait mes sections au niveau du côté de l'oreille. Maintenant, je vais aller faire l'autre côté, donc ces deux sections-là, qu'on vient séparer. Donc, il y a une section qui est au niveau du dessus de l'oreille et une section qui est l'avant de l'oreille qu'on va aller créer la même texture de coupe de cheveux pour aller donner des ouvertures. Donc, on y va. Donc, on garde quand même l'idée d'un look qui est long, mais vous allez voir que sur le dessus, tout va se passer beaucoup plus court. Donc, on va avoir des longueurs, mais avec un petit côté beaucoup plus allégé. Donc, est-ce que tout le monde voit bien ce que je fais? Je pense que oui. Donc, c'est le fun de voir les gens qui vont venir se joindre à nous en ce lundi. Souvent, le lundi, chez les coiffeurs, c'est notre journée de... notre journée de congé, et c'est intéressant de voir que Ross, qui a tous les semaines, là, se force à venir vous offrir de l'éducation avec différents artistes à travers l'Amérique du Nord là, qui travaillent pour la compagnie et qui vont venir partager vos inspirations. Aujourd'hui, c'est en français, parfois c'est en anglais, d'autres fois en espagnol. C'est ce que je dis toujours, c'est que le langage de la coiffure, c'est un langage qui est international. Donc, mes sections ont été coupées avec ma lame droite 5 pouces et demi, le ciseau Delta. Comme je vous dis, lorsque je veux réhumidifier pour garder vraiment mes sections séparées, je vais toujours utiliser mon multi parce que c'est un produit qui alourdira pas le cheveu et qui va me permettre de travailler mes sections bien séparées. Donc, le multi 12 en 1 qui est un traitement. Donc, toujours remettre les sections ensemble. On les voit bien. Là, des fois, ça cherche à vouloir se... se coller ensemble, mais l'important, c'est de bien les garder. Et là, on va aller se créer de la texture là-dedans encore plus, parce que c'est vraiment le mot d'ordre avec la texture. Donc, on travaille sur un cheveu qui est décoloré, un cheveu qui est fragilisé. Chez Ross, on a 3 ciseaux de texture. Je vais vous les présenter. On a le plus commun. Donc, on va avoir le ciseau. Je ne sais pas si on peut bien voir. Oui, OK. Donc, le ciseau qui a les... attendez un petit peu, je sais ce que je vais faire. Donc, vous pouvez voir là, les petites dents. Donc, le ciseau gamma. Donc, le ciseau gamma est celui qui va aller donner vraiment un effet qui va être beaucoup plus velours, très en douceur. Vraiment un effet là, de velours très soyeux. On a le ciseau alpha. Donc, regardez, le ciseau alpha étant notre... ciseaux qui a les plus grosses dents. Donc, celui-là va venir nous créer un effet qui est très piécé. Et on a le ciseau bêta. Donc, encore une fois, hop, le ciseau bêta. Si on peut bien voir, là, le ciseau bêta et le ciseau qui a la combinaison et du alpha et du gamma ensemble. Donc, c'est celui qui va nous en enlever le plus. Dans un cas où on travaille avec un cheveu qui est très fragilisé, qui a été décoloré dans le passé, moi, je vais beaucoup préférer travailler avec un ciseau qui va me garder un effet qui va être velouté en douceur. Donc, la texture, c'est important d'en faire, mais c'est important de bien la doser. Donc, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, j'ai décidé que je vais travailler avec mon ciseau
gamma, qui va aller donner un effet très en douceur au niveau du cheveu. Donc, chaque section qui a été coupée préalablement vont être texturisées avec le ciseau gamma. Donc, la texture, on va la travailler dans le dernier pouce, pouce et demi du cheveu. Donc, dans le cas où j'ai fait du scooping, où ce que je suis allée chercher l'effet là, en allongeant, là, qu'on peut voir la forme de C, je vais créer ma première texture dans le cours et je vais allonger. On veut s'assurer qu'il nous reste qu'il y a suffisamment de texture, mais on veut s'assurer qu'il reste quand même là, une bonne densité au niveau de la pointe. Donc, tout à l'heure, vous allez voir, je n'ai pas travaillé mon périmètre dès le départ. Le périmètre, je vais le faire avec mon ciseau gamma quand que je vais avoir terminé de travailler ma texture au niveau de l'intérieur de la coupe de cheveux. Donc, au niveau là, de la première section de ma coupe de cheveux. Donc, encore une fois, je tiens mes cheveux. Les cheveux de ma marotte. On y va. Donc, c'est important de faire de la texture, mais c'est important de faire de la texture qui va être bien dosée. L'idée est que visuellement, on ne voit pas aucun étage et que tout s'intègre un dans l'autre. Donc, quand j'ai des clientes qui vont me dire, « Moi, Julie, le ciseau texture, je ne veux pas que tu le prennes dans mes cheveux. J'aime pas l'effet que ça me donne. J'en ai déjà eu, puis j'avais l'air de... mes cheveux étaient... tout gris chaud, il se plaçait pas souvent, c'est qu'on va laisser des petits cheveux tout seuls. Les cheveux, là, c'est comme, je dis toujours, c'est comme des ados. Faut les laisser en gang. Donc, s'il me reste juste un petit cheveu, je sais pas si vous le voyez, là, il m'en reste juste un tout seul ici, ben, je vais venir le travailler avec mon ciseau texture pour m'assurer que, malgré le fait que j'ai travaillé de la texture dans le cheveu va rester quand même ensemble, va rester en gang, va rester solide, va avoir un périmètre qui va bien s'intégrer un dans l'autre. Donc, un look comme ça va aller chercher énormément de légèreté au niveau de la coupe de cheveux, énormément de mouvement, d'aération, aller chercher un look un petit peu plus, comme je vous disais, là, edgy, rock'n'roll, ça va aller bouger dans le vent. Ça va être facile aussi, quelqu'un, exemple, qui a des boucles, de venir redonner du mouvement à ces boucles. Donc, on peut déjà voir comment que tout ça va s'intégrer un dans l'autre en gardant un effet qui est très... pourquoi qu'il y a quelqu'un qui pleure? Donc, qui va garder un effet très déconnecté, texturisé, mais est-ce que je rends triste les gens? Mais, donc, beaucoup de mouvement, en fait, c'est ça, là, l'intégration qui va se faire en douceur. Donc, on y va, et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas d'étage, de dégradé, tout ça s'emboîte bien un dans l'autre, et ça, c'est ce que j'aime, et c'est ce qui fait que mes clientes reviennent aussi sur ma chaise, c'est qu'ils me disent... C'est la première fois que j'arrive à avoir un dégradé. Ah, oh, c'est toi, Samana, qui pleurait! C'est la première fois que mes clientes me souvent vont me dire que c'est la première fois qu'ils arrivent à avoir un dégradé, que lorsqu'ils regardent leurs cheveux, ils n'ont pas l'impression de voir les étages de dégradé. Donc, tout s'intègre un dans l'autre. Et ça, honnêtement, là, l'intégration du dégradé, là, c'est fait avec le ciseau de texture, c'est la finition, c'est la signature aussi de nos coupes de cheveux. Donc, choisissez votre signature avec un de nos ciseaux de texture. On en a trois, je vous les ai présentés tantôt. Chacun a son utilité. Dans des gros cheveux très corsés, où ce qu'on veut en enlever un maximum, créer un effet piécé, mais aussi aller chercher l'effet velouté, c'est là qu'on va venir travailler la combinaison des deux, qui est le bêta. Un petit cheveu fin où ce qu'on veut aller donner un effet de douceur, on va travailler celui que je travaille aujourd'hui, qui est le gamma. Et où, si on veut aller chercher un look très edgy dans un cheveu qui nous permet de le travailler, le ciseau
Gamma, qui est celui qui a les grosses dents, le plus commun, mais moi, c'est vraiment, c'est leur pouce rotatif qui me rend le plus confortable de travailler derrière ma chaise. Donc là, on peut voir l'effet effilé. J'ai pas tantôt travaillé aucunement mon périmètre. C'est maintenant que je vais le faire parce que l'idée était quand même de garder le maximum de longueur. Mais là, on veut rendre ça beau. Fait que là, je vais m'arranger pour la remettre droite. Et c'est avec mon ciseau de texture que je vais venir délimiter mon périmètre. Et ça, souvent, là, tu sais, vous pouvez voir, là, je serai encore avec le ciseau de texture. Souvent, là, on a tendance à vouloir ressortir notre ciseau à lame droite, mais moi, ce que j'aime, c'est que en coupant à la même place, je viens me chercher une ligne. Attendez un petit peu, je vais essayer de voir comment que je pourrais. OK. Je viens me chercher une ligne qui va être solide, mais à la fois effilée. Donc, une ligne qui va s'emboîter une dans l'autre et qui va faire un effet qui va être beaucoup plus fini. Moins, exemple, le ciseau de cuisine, là, on voit souvent les gens, puis moi, ça, c'est la première chose que je remarque, quelqu'un qui va avoir un bob, un carré, une pleine longueur, puis que ça l'a juste été fait au ciseau lame droite. On va voir les coups de ciseau, surtout si les gens, en plus, n'ont pas pris la peine de faire du point de cutting. Moi, je préfère, et de loin, travailler avec le ciseau texture pour aller créer ma longueur à la pointe. Donc, donner énormément de légèreté. Donc, c'est un look qui va avoir ses longueurs, mais que vous allez voir qu'on va aller chercher beaucoup de texture et de légèreté. Donc, si on regarde son cheveu, ça bouge. On ne voit pas du tout le dégradé, les étages, tout se fond un dans l'autre, c'est en douceur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec... Attendez un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait avec notre dessus? Elle avait un dégradé qui était présent, mais qui était encore très lourd. Moi, c'est à peine si je lui avais fait une coupe pour la cause quand je l'avais colorée, pour essayer de vous lui donner une espèce de look. Mais c'est pas ce qui met le plus sa couleur en valeur. Donc, on voit qu'elle avait une ouverture. Mais on voit que, regardez à l'arrière, là, j'ai coupé le court ici, puis regardez encore toute la longueur, toute la lourdeur. Donc, moi, l'idée, là, c'est d'aller enlever toute cette lourdeur-là qu'on retrouve sur son cheveu. Mais de pouvoir travailler mes sections indépendantes une de l'autre et d'aller jouer avec des asymétries pour aller rendre ça beaucoup plus léger. Donc, on veut garder un peu de longueur sur le devant du visage parce qu'on a, c'est ici qu'on retrouve tout l'effet de la couleur. Par contre, tout ce qui se retrouve à l'arrière du visage, tout ce qui se retrouve à l'arrière de la tête, en fait, là, au niveau de l'occipital, ici, c'est lourd. Je veux aller chercher quelque chose de très déconnecté, très court. Donc, on va travailler une section zigzag qui va venir délimiter mon devant de mon arrière. Ou est-ce que le devant, je vais le travailler seulement qu'en texture? Donc, là, pour les besoins, là, avec la lumière, il fait chaud, je vais légèrement la mouiller. J'y en remets un peu, mais comme je vous dis, là, pour l'hydratation, je préfère, et de loin, à travailler mes lotions de coupe, me donner un côté plus malléable au niveau du cheveu, particulièrement un cheveu qui a été décoloré. Là, je travaille beaucoup avec ma lotion 12 en 1, qui est zéro alourdissante. Donc, on va trouver le sommet de la tête en premier. Donc, un coup qu'on l'a trouvé, on va venir diviser l'avant de l'arrière.
Et pour l'avant du visage, je vais aller chercher une intégration. Donc, je veux aller chercher le maximum, garder le maximum de longueur, mais je veux m'en aller à plus court à l'arrière. Donc, c'est ici là, que je vais venir me dessiner un zigzag qui va créer mon intégration. Donc, c'est vraiment l'idée du zigzag, c'est de créer une intégration. Donc, il faut vraiment que j'arrête de dire donc dans la vie, moi. C'est comme mon talon d'Achille quand je fais des Facebook Live, de sortir toujours ce fichu mot-là qui, à chaque fois que je m'écoute après, me cille dans les oreilles. En plus, ça veut absolument rien dire comme mot. Alors, on fait le zigzag. Donc, le zigzag va créer mon intégration pour aller chercher mon plus court et mon plus long. Donc, est-ce que vous voyez bien le zigzag qui se sépare des deux côtés? C'est ce qui va venir créer mon intégration de ma coupe de cheveux sur le devant et l'arrière. Donc là, je vais juste y enlever ça un petit peu de dans le visage parce que je vais avouer que si c'était ma cliente en salon, je ne la laisserais pas avec les cheveux comme ça au visage. Donc, c'est pas une frange, c'est vraiment toute la longueur de sa coupe de cheveux à l'avant qui va être travaillée. En déconnexion, qu'on va garder le maximum possible. Puis, vous allez voir, je viens pas me préoccuper de ce que j'avais fait par en dessous, puisque de toute façon, quand je vais y arriver, ça viendra pas rembarquer sur le dessus. Donc, je vais me faire une première section qui va être au niveau de l'arrière de la tête. Donc, un peu comme c'était divisé dans le bas, je vais me retrouver avec 5 sections. Donc, on voit ici, ça c'est ce qu'il y avait en dessous qui reste là. Et je vais suivre la forme de la tête. On voit le dessous et la dernière. Donc, 1, 2, 3. Quatre. Et ma petite dernière section avant ma déconnexion de toute façon qui est ici. 5. Je pense que ce que je vais faire là, pour vraiment essayer de vous montrer le plus possible, je vais venir vous isoler le dessous. Ça va peut-être être un petit peu plus clair pour vous là, qu'on ne se mélange pas en vous montrant ce qui a été fait au préalable. Et voilà. Donc, ce que je veux faire, je veux aller enlever le maximum de lourdeur à l'arrière de la tête. Donc, tout ce qui se situe à l'arrière est, on peut le voir, quand même assez long et on a beaucoup de lourdeur. Donc, je veux venir alléger tout ça. Donc ça, la mèche centrale, encore là, c'est un guide visuel que je vais prendre et je vais venir enlever
l'équivalent d'un bon, en fait, je vais me garder un bon, 2 pouces et demi, 3 pouces, mais je vais venir enlever toute la lourdeur de mon cheveu. Donc, vous pouvez voir l'effet de mon pouce rotatif de mon ciseau, le fait que je travaille dans une position qui est beaucoup plus confortable. Donc, je me garde un petit bout que je vais descendre. Donc, j'ai mon guide qui se retrouve ici. Et je vais suivre la forme de la tête. Et là, je vais vraiment prendre ce qui me rentre dans les mains, pas plus. Donc, si vous voulez bien voir là, le guide qui était ici, je viens suivre la forme de la tête. Donc, on va toujours rester le droit vers l'extérieur lorsqu'on va couper. Je me garde un petit guide. Et je m'en vais, encore là, enlever toute la lourdeur qui se retrouvait à l'arrière. Lorsque ma section elle est coupée, je vais la garder indépendante des autres. Donc, je ne m'en servirai pas pour la surdiriger. Je vais vraiment la garder indépendante. Et cette section-là va venir me donner beaucoup de volume, beaucoup de texture au niveau du cheveu. Nouvelle section. Je vais toujours me positionner droite à ma section. Donc, je ne serai jamais en bas. Je ne serai jamais en haut non plus quand je coupe. Donc, je vais venir peigner en ayant une belle tension au niveau de mon cheveu. Vraiment, là, centré avec ma section. Donc, là, je vais vous montrer pour que vous voyez de côté. Encore là, on y va avec un guide visuel. Donc, chaque section est indépendante une de l'autre. Et ce qui va les marier ensemble sera la texture qui va être faite par la suite. Donc, juste en ayant pris un guide visuel, on peut voir que je me retrouve sensiblement à la même hauteur. Donc, encore une fois, cette section-là va devenir indépendante. Et il reste juste la petite dernière, mais non la moindre, qui, encore une fois, va être peignée vis-à-vis... J'ai de la misère avec mon pied. Mon pied peut s'en aller. Qui va être peignée vis-à-vis... la section, donc mes doigts vont toujours être en position droite, donc pas par en haut, pas par en bas. Et je vais suivre la forme de la tête en allant chercher environ là, la même longueur, donc le 3 pouces et demi. On va faire la même chose l'autre côté. Donc là, pour que vous voyez bien là, que je me situe toujours vis-à-vis ma section, je vais vous la couper. On garde un petit bout. Et la dernière section, encore là, vis-à-vis la tête. On y va à 3 pouces et demi et on a notre guide. Encore une fois, la texture sera faite avec le ciseau gamma. Donc, on va aller intégrer la texture en douceur. Mais pour le faire, comme je disais que sur le devant, on voulait garder toute la longueur. Pour ce faire, ce que je vais venir travailler, je vais diviser pour envoyer un peu de mon cours vers ma longueur avant. Donc, je viens prendre mon triangle et je l'envoie, puisque à l'avant, ce sera seulement qu'un lien de texture qui va venir alléger tout ça. Donc, elle était déjà assez courte, ouverte sur le dessus. Je ne voulais pas tout perdre ça. Par contre, on voulait aller créer plus de légèreté au niveau de l'arrière.
mais ça nous prend une intégration entre ce qui se passe en avant et en arrière. Donc, on va le faire en lien de texture. À l'arrière, je reprends exactement les mêmes sections et la texture sera toujours faite dans le dernier pouce et demi à 2 pouces, dépendamment. Dans le cas d'une marotte, surtout un cheveu qui est très sensibilisé, je vais la travailler plus dans le dernier pouce. L'idée, c'est pas de perdre ma ligne de coupe. L'idée est d'adoucir la ligne de coupe, donc d'avoir un fini qui va être beaucoup plus, oui, en intégration, mais ça va être plus doux, plus flatteur à l'œil. C'est ça que je cherchais comme mot. Plus flatteur au niveau de l'œil. Donc, on y va. Toujours dans le dernier pouce et demi, 2 pouces. On ne veut pas perdre la ligne de coupe. Donc, souvent, souvent, les gens y vont n'importe comment. Là. Et ce que ça va faire, c'est qu'on perd la ligne de coupe. La ligne de coupe, c'est ce qui va créer là où le cheveu s'assoit, le volume où il va se créer sur le cheveu. Donc, si on pense à un cheveu qui est pas, qui a pas de texture, donc le cheveu va comme glisser un sur l'autre. Par contre, si on vient faire de la texture, le cheveu va s'emboîter et créer du volume. Donc, un cheveu qui n'aura pas de texture va s'écraser, mais un cheveu qui a de la texture va s'emboîter et donner vraiment plus d'ampleur, plus de volume dû aux ouvertures qu'on vient de lui créer. Donc, c'est ultra important, même dans un cheveu fin, d'avoir de la texture. C'est ce qui va donner l'opportunité d'avoir un volume facilement au niveau du cheveu de notre cliente. Donc, les gens qui disent « Ah, j'ai les cheveux fins, crée pas de texture, mon cheveu, il est déjà assez fin comme ça », l'idée étant pas d'amincir le cheveu, l'idée étant de donner des points de support dans un cheveu qui va être plus fin. Donc, autant un cheveu épais où ce qu'on veut aller lui donner de l'air, lui permettre de bouger, autant un cheveu fin, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'aller lui donner le volume, le support pour pouvoir là, se supporter et bouger là, en harmonie avec les mouvements qu'on va vouloir lui donner. Donc, au niveau de l'arrière de la coupe, déjà là, on voit comment que ça va bouger, ça va être beaucoup plus léger au niveau de son cheveu. L'avant, c'est très lourd, on veut aller chercher de la texture, on veut que ça bouge. À ce moment-là, j'ai mon guide qui se retrouve à l'arrière que je viens peigner et on va aller chercher les 5 mêmes séparations qu'on avait, qui va suivre la forme de la tête pour intégrer ce qui se passe à l'arrière et ce qui se passe sur le devant. Donc, étant donné qu'on a zéro texture qui a été faite sur les longueurs avant, je vais changer un peu mon ciseau de texture. Donc, c'est là qu'on dit que bon, les règles ont été créées par les pros, mais peuvent être brisées par les artistes parce qu'en temps normal, on voudrait garder sensiblement la même texture là, au long de notre coupe de cheveux. Par contre, au niveau de ce cas-ci, je vais aller chercher un effet qui va être beaucoup plus piécé au niveau du devant puis faire un rappel. Donc, je vais travailler à ce moment-là avec mon ciseau alpha. Donc, je vais positionner la marotte très droite. Je vais vous l'approcher pour que vous voyez bien. Vraiment, j'aime bien avec mon pied aujourd'hui. Donc, si on y va, je lève vers le haut. J'ai mes cheveux courts qui étaient la jonction arrière et j'ai ce qui se passe de longueur sur le devant. Donc, il y a déjà quand même beaucoup de texture ici. On n'en fera pas trop. On va juste faire un rappel au niveau du dessus. Ça va être quand on va se retrouver au niveau là, de nos pièces plus sur le côté où je vais devoir là, aller marier tout ça, donc les longueurs qui se retrouvent ici. Donc, encore là, je vais lever directement vis-à-vis ma section. Donc, j'ai mon rappel dans mon cours ici. Je vais prendre ce qui me rentre dans les doigts. Donc, la première texture va se faire là, à la même hauteur que mon guide de texture qui se retrouve à l'arrière. Donc, on va y aller une fois et on s'en va vers la pointe.
Donc, lavant de la coupe de cheveux est quand même assez rapide et efficace. C'est plus un petit rafraîchissement là où ce qu'on va aller créer plus de légèreté au niveau de son cheveu. Et là, j'avais ma déconnexion ici qui automatiquement tombe. Mais on veut aller là donner un petit peu plus d'air à tout ça ici. On va se retrouver avec un look beaucoup plus léger. Donc pour la saison justement automnale qui va revenir, les foulards, les collets, où on va vouloir être un petit peu moins en lourdeur. Ça peut être une super technique de coupe que vous allez pouvoir ajouter à votre arc, d'aller travailler là, sans nécessairement undercut, ne veut pas dire nécessairement aller couper les cheveux courts, mais définitivement aller créer beaucoup de légèreté et de texture. Donc moi, ce que je vais faire, là, puis je vais essayer de faire mon premier TikTok après. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est ma nouvelle résolution. Je vais essayer de filmer là, toutes les étapes que je vais faire pour la mise en pli. Donc, on peut déjà voir un petit peu là, comment que son cheveu va bouger, comment qu'on va avoir énormément de déconnexion, mais d'avoir les longueurs qui se promènent sur le côté. Là, au niveau de l'avant, il faut y aller avec notre inspiration. Ça, c'est quelque chose que j'aime travailler quand même lorsque les cheveux sont secs. Mais encore une fois, je peux venir définir un petit peu là au niveau de ma frange, ma coupe de cheveux, où est-ce que je vais vouloir avoir. Donc, ça, c'est le dessin de notre coupe de cheveux, notre signature encore une fois au niveau de la frange. J'ai décidé que je vais travailler avec deux produits.